croyais faire, Mira? Ce que je fais, je protège ma fille. Espèce d'idiote, elle commande un tel pouvoir. Vous ne comprenez pas? Non, c'est vous qui ne comprenez pas ce dont je suis capable pour sa sécurité. Non, non. Soyez maudite, Mira. Vous ne pouvez pas m'échapper. Je vous retrouverai. Tu as réussi, Mira. Tu l'as mise en sécurité. Mais maintenant, tu la mets en danger. Est-ce que c'est bien toi? Sébastien. Pourquoi est-ce que tu t'opposes à moi, Mira? Tu ne peux pas comprendre. Ceci est notre nouvelle maison. Lily sera en sécurité ici. Heureuse. Loin de toute peur. Loin de la douleur. Non, Mira. Ce n'est pas la réalité. La douleur fait partie de la vie. Tout comme l'amour. Si elle reste ici, elle ne connaîtra pas la peur, c'est vrai. Mais c'est parce qu'elle ne vivra rien du tout. Tu ne comprends pas! Ils lui ont fait de telles choses. Moi, je peux la protéger. Non! Je t'en supplie, laisse-moi la sortir d'ici! Faisons-le ensemble! Nous pouvons encore former une famille. Je ne laisserai plus personne me l'enlever! Non! Mira, écoute-moi! Nous avons encore le temps! Nous pouvons partir! Je ne laisserai pas Lily ici! Je t'en prie! Tous ceux qui essaieront devront mourir! Arrête, il ne m'oblige pas à faire ça! Tu lui feras du mal aussi. Je t'en empêcherai. Bon sang, Mira, arrête! Pense à ce que t'es en train de faire. Thank you.
t'oblige pas à faire ça. M'échapper.
Mimi! Pardonne-moi, Mira. Mira, je t'en prie. Je suis désolé. Je ne voulais pas. Non. Je n'arrivais plus à me contrôler. Tu as fait ce qu'il fallait. Je nous emmène tous loin d'ici. Allez. C'est trop loin. Laisse-moi ici. Il faut... Occupe-toi de Lily. Laisse-moi. Non. Je ne te quitterai plus jamais. Pourtant, tu le dois. Vas-y. Je vous rejoins. On se retrouve là-bas. Lily, elle a besoin de toi. S'il te plaît, fais vite.
faut que je rejoigne la maison. J'espère que tu es en vie. Nous avons rétabli le contact, monsieur. Où est-il ? Impossible d'avoir une localisation exacte. Attendez, le noyau est de nouveau visible. Le marqueur s'approche d'elle. Excellent. Indiquez au marqueur comment rétablir le noyau. Je déteste annoncer une mauvaise nouvelle, monsieur, mais il est trop tard. L'environnement a subi trop de dégâts. Même avec le noyau rétabli, la destruction totale du Nyon est imminente. Qu'il en soit ainsi. Il nous reste le stem, nous pouvons en tout recommencer. Mais nous avons besoin du noyau. Elle est trop précieuse pour tout abandonner. Que l'équipe médicale se prépare pour son extraction. Combien de temps faut-il ? Tout dépend de sa rapidité à atteindre le point d'extraction. Ils sont quasi prêts, ça ne devrait plus être long. L'équipe médicale en place et en attente. Une fois l'extraction effectuée, que l'équipe médicale élimine le marqueur. Il a rempli son objectif. Oui, monsieur. Merde. Kid, appelez votre homme et donnez-lui les instructions. Bon, je crois que le moment est venu. Kid, vous m'avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Est-ce que je perçois de l'insubordination ? Vous ne pouvez pas le tuer. Mais si, je peux, et je vais le faire. Une fois revenu dans notre monde, il sera pour nous un handicap. Allez, appelez-le et donnez-lui le point d'extraction. Allons, Kid. Il a signé son arrêt de mort au moment même où il est entré dans le stem. Alors, obéissez aux ordres ou vous signerez le vôtre. Non. Cette tentative de trahison est regrettable. Vous étiez si prometteuse. De sécurité au rapport en salle de contrôle. Tout le personnel de sécurité vite, au rapport. Avant que les autres arrivent. La laissez pas s'échapper. Lily ? Elle est sûrement dans sa chambre à l'étage.
Papa? C'est moi, Lily. Je suis là. C'est vraiment toi? Chut. C'est bien moi. Je vais te ramener à la maison. C'est pas ici, la maison? Non, ma chérie. Mais nous y serons bientôt. Je suis fatiguée. Rendors-toi. À ton réveil, tout ira mieux. Je l'ai trouvé. Viens, quittons cet enfer. Pardon, Sébastien. Je ne peux pas. Bien sûr que tu peux. Je vous porterai toutes les deux s'il le faut. Non. Mais je... Mobius doit être arrêté. Rien à foutre, Mobius. Nous avons déjà perdu trop de temps. Nous pouvons partir tous les trois. Nous irons quelque part où ils ne nous trouveront jamais. Il n'y a nulle part où aller. Ils sont partout. Lily sera toujours en danger. Sauf si je les détruis. Très bien, je t'attends. Dès que Mobius sera éliminé... Ça ne marche pas comme ça, Sébastien. On ne peut le faire que de l'intérieur. Le STEM ne se limite pas à cette ville. Tout Mobius y est connecté grâce à des implants crâniens. Dès que j'aurai pris le pouvoir du noyau, je transmettrai un signal grâce auquel tout s'écroulera comme une ionne. Un signal capable de réduire une fois pour toutes Mobius à néant. Mais nous sommes enfin réunis. Il n'y a pas d'autre choix. C'est le plan depuis le début, il n'en a jamais été autrement. Pardonne-moi. Mira. Moi de prendre soin de notre petite. Qu'elle n'oublie jamais combien sa mère l'aimait. Tu sais, j'ai encore tant de choses à te dire. Tu n'as pas besoin de le dire. Je ne t'ai jamais quitté des yeux tout ce temps. Je sais combien tu as souffert, je sais ce qu'ils t'ont fait. Ce que moi, je t'ai fait. Tu n'as rien demandé de tout cela. Et tu as vécu l'enfer à deux reprises à cause de ça. Il est temps pour toi de partir. Pour vivre. La vie qui t'a été volée. Je t'aime, Mira. Moi aussi, je t'aime. Je vous aime tous les deux. C'est pour vous que je fais tout ça. Mais le temps presse. Vous devez partir, tout de suite. Elle m'a
Je dois rejoindre la salle du STEM. Il suffit que j'arrive en bas. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle du STEM. Tenez bon, Sébastien. J'y suis presque. Tout le personnel de sécurité au rapport en salle du STEM. J'espère que ça va marcher, Mère. Qu'allez-vous faire, Kidman? Vous ne provoquerez rien d'autre que votre mort. Vous devez bien le savoir. Vous aviez du potentiel. Vous auriez pu accumuler un tel pouvoir. Et vous choisissez maintenant de tout gâcher. Pourquoi? Après tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait, pourquoi cette crise de conscience soudaine? Et pour l'inspecteur? Pour la gamine. Non. C'est pour moi. Réfléchissez bien, Kid. L'humanité a besoin du STEM. Imaginez. Une conscience unifiée pour toute l'humanité. La fin des conflits. La fin des disparités. La fin de la douleur. J'espère que t'avais raison, Mira. Sébastien. Kidman, je l'ai. Où est-ce que je dois aller maintenant? Dans votre salle. D'accord. Mais Mira va rester ici. Vous savez pourquoi? Ok. Nous avons peu de temps. Je compte sur vous, Kidman. Il n'est pas trop tard pour tout arrêter, Kidman. Coopérez. Et je vous promets une mort rapide. Sinon, la punition pour votre trahison sera légendaire. Je suis sûr qu'on se souviendra de moi. Mais ce sera pour vous avoir anéanti. Personne n'aurait un monde d'ennemis de choix. Une ruche mentale ne fonctionne que si une reine est aux commandes. Rejoignez-nous ou mourrez. Vous savez quoi? Il y a une autre option. Et c'est d'aller vous faire mettre. Vous êtes stupide! Mais je vous aime. Quel dommage de vous perdre en de telles conditions, Kid.
Quoi? Vous pensiez vraiment que je n'avais pas prévu ça? J'ai retiré ma puce il y a 3 jours. Peu importe! Vous mourrez aujourd'hui. D'une manière ou d'une autre. Tous les deux. Maintenant, tu es en sécurité. Je le savais. Du calme, Sébastien. Vous êtes en sécurité. Lily. Où est Lily? J'ai besoin de votre aide pour la sortir de là. Mettez-vous là. Vite! C'est bien toi. Oui, ma chérie. C'est bien moi. J'ai fait un cauchemar. Chut. Je sais. Mais c'est fini. Le cauchemar est fini. Tu n'as plus rien à craindre.
C'est vraiment fini? Je ne suis pas à l'intérieur, en train de rêver tout ça. C'est réellement terminé. Grâce à Mira. Allez, quittons cet endroit. Somehow.